Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Inside. Dans l'épisode précédent, on a eu une petite partie en sous-marin encore, je crois. Ensuite, on a été essayer de trouver des petites créatures pour nous aider. À un moment, je me suis fait bouffer par un chien dans une zone un peu cachée. Je vous avoue que j'ai pas cherché à continuer plus loin. Ok. Donc il y a des détonations. On va attendre que la prochaine arrive. Que la prochaine arrive encore. Ok, c'est pas trop mal. D'accord. J'espère qu'il m'en va de toi là, ouais. On va attendre que la prochaine arrive. Je pense que le truc est mal placé. Ah non, ok, j'ai peut-être compris en fait le truc. Ouais, faut peut-être grimper en même temps que le... Je pense que c'est ça. Thank you.
Maintenant, on va attendre. Ok. J'espère que ça va m'en mettre juste là quand même. Et pas au truc d'avant. D'accord. Allez, ok, comme il y a la détonation, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Ah oui, ok, j'ai pas fait attention que les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Vous voulez que je suis. Ah, devait être, faut que je rase vraiment sur la fenêtre peut-être d'avant. On se met vraiment là. Ok, on y va. Je pense que c'est faut vraiment avoir un placement très précis. Là en fait il y a la barrière qui empêche le truc de me pousser. Là on va avancer encore un petit peu le truc. Ok. Et voilà, là comme j'étais pile bien. Ok. Hein? Hein? J'ai pas compris parce que là, au final, j'ai pas grand chose pour me protéger, quoi. Ok. Attention au chrono pour l'enregistrement. Ok, donc là, je vais pouvoir m'y aller. Là, je peux pas faire grand chose.
l'ascenseur se fait exploser. Ouais, je crois qu'à un moment on va retrouver les petites bébêtes qu'on avait vues dans l'épisode précédent ou dans le deuxième épisode, je sais plus. Peut-être dans le deuxième. Quel timing, c'est formidable quand tout se passe comme ça. C'est cool. Ouais, je crois que c'est là où on va retrouver les espèces de bêtes là qu'il y avait. Là, je crois que c'est un truc de timing. Ah ouais, ok. Par contre, j'ai pas été voir ce qu'il y avait au bout par là. Il y a rien. Ouais, ouais, ça. Une des petites bestioles là qu'il y avait. Et ça, ça me plaît pas trop, les amis. Elle me plaise pas trop, cette petite bestiole là. Forcément, je dois aller dans la flotte. Grimpons, grimpons. Donc leurs expériences, ça sont quand même pas terribles. On voit en dessous, il y a une espèce de trou tout en bas à droite. Allez, go! Vite, 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 vite. Vite, 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 vite.
Alors je vois pas à quoi sert la chaîne. Sûrement un truc à faire tomber. Ouais, je ne comprends pas. Alors, on va essayer d'aller voir de ce côté-là. Faut peut-être faire tomber le truc avec la chaîne de l'autre côté. Comme ça, moi, ça me permet d'aller. Le truc avec la chaîne, c'est sûr que ça doit pouvoir tomber. C'est quasiment sûr. Alors, coucou. Trouver, hein, on va finir par trouver.
pense qu'il y a quelque chose comme ça à faire, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il a été un peu plus loin. Que je suis. Allez. Allez. Je ne comprends pas. Je pense que le truc il doit être fait pour tomber, mais... Il y a un truc forcément à faire avec le...
Je ne comprends pas. Je t'ai eu. Je pense qu'il y a un truc à faire en le faisant tomber, ou soit il faut que je saute de l'autre côté. Je sais pas trop. Allez, y a pas un truc qui pourrait me dire ce qu'il faut faire. En tout cas, je sais qu'il faut jouer sûrement avec ça, attirer la bestiole le plus loin possible pour que j'active le bouton en bas et que je passe au travers de la porte. Que la porte se rabatte. Mais je vous avoue que je ne me rappelle pas comment faire. Et ça m'embête d'aller regarder une soluce. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça à faire, mais... Ou sinon, là, faut que je me mette là, que je fasse le balancier. Peut-être qu'après, faut que je saute au-dessus de la passerelle où je suis. Ça y est, je suis passé. C'était ça, en fait, fallait juste faire le balancier et arriver de l'autre côté, quoi. Ok, donc là, faut que j'attrape la corde. Alors, je sais pas du tout où j'en suis niveau du temps. Ok, faut que je retourne sous la flotte, mais il y a la bébête qui va arriver. Et le jeu est pas trop bête, si je suis sur la plaque, j'arrive pas à la lever. C'est pas trop bête. Donc là, je suppose qu'il faut que j'attire de l'autre côté. Coucou, je suis là. Ouh, j'ai eu chaud. Et là, je suppose qu'il faut que je plonge, que je rappuie sur le bouton et que je passe la porte. Et que je remonte vite fait, récupérer de l'oxygène.
Et bah, je crois que c'est pas trop mal quand même. Il y a peut-être un truc où je peux grimper, ou sinon faut que je refasse de l'apnée. Sûrement de l'apnée. On va juste sortir de l'eau parce que je suis pas trop fan. Et on s'arrête. Ah non! Il est arrivé comment lui le bonhomme là? Mais laisse-moi tranquille! Tout au fond de l'eau. Je suis pas méchant, moi je veux juste faire ma route. Ah, de la lumière. Je suis branché à quelque chose apparemment. Bouffé par les poissons. Je pense que je vais m'arrêter là les amis pour cet épisode. Je vais juste mettre en pause. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que je sais pas du tout où j'en suis niveau timing. Et je vais pas vous faire un truc trop long, sachant que j'ai passé pas mal de temps là avec la chaîne, etc. Je pense qu'on doit être à pas loin d'une demi-heure. J'espère que ça vous aura plu. Nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Inside. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao.